Salut à toi, c'est Sylvain. Bienvenue sur la chaîne RenoWatch. Alors aujourd'hui, on va voir comment peindre une façade. Mais avant tout, si tu n'es pas encore inscrit à la chaîne, clique sur le bouton juste en dessous et sur la petite cloche pour être prévenu de la prochaine vidéo. Allez, à tout de suite, on y va. C'est parti. Bon ben voilà, tout est prêt pour nettoyer la façade. Le karcher. Ici. On a bien calé les échelles pour pas qu'elles soient bancal, hein. Il y a des bonnes cales là, et c'est parti, on va laver ça et après on va la traiter. Donc là maintenant, on va attaquer ce pignon là et on attaque par le bas. Vu qu'il y a des projections de terre et de gravier, on fait tout le bas, une belle bande en bas, bien nettoyée, bien grattée. Ça, on va tout faire sauter, on va tout enduire après. On va tout nettoyer ça, passer un bon coup d'anti-mousse avant de peindre. Et voilà. Voilà, on a commencé à enduire au murex. Je vous mettrai le lien dans la vidéo. C'est un enduit extérieur, aussi dur que du béton. Donc voilà, on lisse toutes les parties qui se sont décrochées pour faire un aspect bien enduit. Ici, on commence à le faire. C'est bien lisse. Maintenant que la façade est enduite convenablement avec du murex, je vous mettrai le lien dans la vidéo en dessous, on va utiliser la mirka avec aspirateur et on va utiliser du grain 80 spécifique à la mirka. Et c'est parti. Afin d'enlever toutes les masures et d'avoir un aspect bien bien lisse. Partout, sur la totalité du mur. Matos installé. On va attaquer la dernière couche de façade. Ici précisément. Et ensuite, on attaquera le pignon en dernière couche. On attend qu'il sèche parce que le support est assez humide là, avec la rosée. Donc, on va faire ça cet après-midi plutôt, le pignon. Et on est parti sur un blanc cassé. Pas blanc blanc parce que ça éblouit beaucoup au niveau soleil, vu qu'on est plein sud. Donc, on est parti sur un petit blanc cassé. Voilà. Bon ben voilà, la dernière couche du pignon est faite et on attaque le pignon avec mon petit arpette. On va attaquer ça le pignon là, tranquillement. Ouais, on est plutôt pas mal. On a installé les échelles et on va y aller. Go! Maison terminée. Arrondissement de façade, fini. On a mis les petits appuis de fenêtre en bleu. De faire une touche de rappel. Et le pignon aussi est terminé. Voilà. Donc merci à vous de m'avoir suivi. Merci à toi. Merci à tout le monde qui nous suit. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous cliquez juste en dessous. Vous cliquez bien sur la petite cloche pour être prévenu de la prochaine vidéo. Allez, à très vite sur RenoWatch.